Salut tout le monde, c'est Shine Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un petit tuto sur Animal Crossing New Horizons. Comment avoir une belle île 5 étoiles avec un thème? Et oui, car les thèmes c'est un peu le principe des fois des jeux vidéo d'Animal Crossing. Personnellement j'adore quand mes îles, mes villes sur tous les jeux vidéo confondus d'Animal Crossing ont un petit thème pour un petit peu me fixer des objectifs, etc. Cette vidéo est faite pour vous aider déjà à choisir votre thème si ce n'est toujours pas fait, à savoir comment s'y prendre, à trouver de l'inspiration, à avoir une île 5 étoiles et la garder, bien évidemment. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. En tout premier, c'est le principe même de la vidéo, définir son thème. Tout simplement, je vous mets des idées de thèmes à l'écran. Tous les thèmes ne sont pas répertoriés, bien évidemment. Il en existe plein, on peut passer par un thème tout simple, naturel, ou par un thème extrêmement différent, comme par exemple les années 50, le futurisme, les animaux, bref, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez en créer un, il y a aucun souci, je pense que même que vos idées vont être peut-être mieux que les miennes ou non. Ensuite, après avoir défini et juste choisi votre thème, il faut peut-être, ceci n'est pas obligé, que le nom de votre île ait un rapport avec le thème. Et évitez par exemple d'appeler votre île animaux alors que votre thème est sur le thème rétro, il n'y a aucun rapport. Évitez de faire des choses complètement opposées au niveau du thème et au niveau du nom de l'île. Personnellement, mon nom d'île est Cérésie. Ça, je pense que tu le sais, ça veut rien dire, c'est juste un mélange de lettres entre Cerise, Charline, tout ce genre de petites choses à la fin. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi car je peux utiliser n'importe quel thème car il n'y a pas de choses opposées avec mon nom d'île. Ensuite, essayez de mettre en raccord votre thème avec les coins de votre île, tout simplement. Pour le thème naturel, privilégiez plus les grands champs de fleurs. Et pour les années 50, par exemple, faire un petit bar type de ces années-là. Ou pour le thème arc-en-ciel, mettez plein de motifs colorés avec plein de fleurs de toutes les couleurs. N'hésitez pas à trouver de l'inspiration sur Internet, Instagram, Pinterest. Et même pour trouver vos petits patterns, vos petits motifs au sol. Je tiens à préciser que pour les télécharger, il faut avoir le Nintendo Switch Online qui est une option payante de la part de Nintendo. Marquez sur Internet, sur Pinterest, sur Instagram ces petits mots-clés à l'écran. Privilégiez le nom du jeu Animal Crossing New Horizons avec les mots en anglais comme par exemple Colors. Paf, je pense que tu as compris, privilégiez plus les mots en anglais car tout simplement c'est la langue internationale, c'est plus simple pour que tous les motifs soient répertoriés. Vous pouvez trouver aussi des idées sur Animal Crossing en marquant IDs Animal Crossing New Horizons ou en mettant l'abréviation ACNH. Trouvez aussi des meubles correspondants avec votre île. Pour ceci, je vous conseille et vous présente comme d'habitude l'application ACNH Life pour mieux visualiser, pour savoir comment les obtenir, les couleurs qui existent, le prix, etc. Vous n'avez tout simplement qu'à trouver le type de meuble que vous aimez. Vous cherchez dans la petite liste ou tout simplement vous marquez directement le nom du meuble que vous souhaitez. Et vous pouvez bien évidemment les personnaliser dans la couleur pour qu'ils rentrent dans le thème de votre île. Par exemple, comme je le dis d'habitude, une île avec un thème arc-en-ciel coloré sera mieux avec des meubles de toutes les couleurs qu'un meuble blanc ou noir. Vous pouvez demander de l'aide sur Internet, à vos amis dans le jeu ou à faire des petits échanges. Ceci est un autre petit conseil de ma part. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un thème sur votre île. Vous allez me dire que je me contredis, mais pas tout à fait. Par exemple, le thème de votre île n'est pas obligé d'être appliqué sur tous les recoins et les coins de votre île. Vous pouvez avoir une île sans thème, mais juste faire des petits coins avec plein de petits univers différents. Un coin de votre île peut être sur le thème de la sucrerie, de la nourriture, donc restaurant, puis ensuite un autre plus coloré, plus dans le thème fête foraine, bonbons, puis un autre résidentiel, futuriste, etc. Et vous n'avez qu'à faire des petits éléments de connexion, comme j'aime le dire, avec juste des petits chemins qui les relient entre eux. Dans mon cas, mon île est vraiment dans les tons et les couleurs pastels, disposées de différentes manières et de différentes sortes, mais les couleurs restent les mêmes du pastel et du pastel. Pour les thèmes, si vous voulez avoir une île avec plusieurs thèmes, car oui, c'est possible. Par exemple, une île naturelle, kawaii, avec du japonais, c'est possible, mais pas plus que 3. Ce conseil est vraiment pour la vie de tous les jours, pas plus de 3 choses. Sinon, les futurs visiteurs vont être paumés complets. Ils ne vont plus savoir quoi définir, à quoi ça ressemble, etc. 2, c'est parfait. 3, c'est bien. Franchement, c'est ce que je vous conseille. Parce qu'après, quand il en a 4, 5, ce n'est plus un thème d'île, c'est juste une île sans thème avec plein de petits coins avec des thèmes différents. Comme ça, pas plus de 3, les visiteurs comprendront précisément le concept et le thème de votre île sans problème. Plutôt logique, mais variez un maximum les coins. Évitez de faire que des coins pique-nique.
Je me sens un petit peu visée, mais je pense que vous me comprenez. Vous pouvez bien sûr peut-être refaire les mêmes coins, mais agencer d'une manière différente. Sinon, il y aura un manque de variété, ça sera très lassant à regarder. Mais pensez à personnaliser toute votre île avec le thème, ou avec l'idée du thème de votre île. Vous pouvez bien évidemment personnaliser votre personnage. N'oubliez pas les petits détails qui font que le thème va être beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus incorporé sur votre île. Donc personnalisez bien votre personnage avec le thème. Si le thème est sucrerie bonbon, vous mettrez pas mal de motifs avec des petites robes ou des petits chapeaux en rapport avec la nourriture. Mais si votre thème est plus futuriste, vous vous amuserez à mettre pas mal de choses qui font bien dans le thème du futur. Pour cela, vous pouvez enregistrer plusieurs tenues avec plusieurs thèmes différents via votre petite baguette magique grâce à Céleste. J'adore ce principe de baguette magique, d'enregistrer cette petite tenue avec plein de thèmes différents. Comme ça, tu es prête pour chaque coin de ton île. N'oubliez pas aussi à personnaliser votre petit passeport. Ça peut être vraiment un micro détail, mais écoutez, le passeport c'est vraiment important quand un visiteur vient sur votre île. Souvent, il va sur votre passeport pour apprendre plus d'informations sur vous, votre île. Donc comme ça, vous marquez plein de choses dans le thème et dans le rapport de votre île. Par exemple, si le thème de votre île est nature, vous marquerez en titre de passeport « copine passionnée de nature » par exemple. Mais si votre thème d'île est nature, évitez de marquer « copine près des sous ». Ça n'a aucun rapport. Faites quelque chose de plutôt logique. Dans les habitants aussi, c'est vraiment important parce qu'il y a certains habitants qui rentrent parfaitement dans des thèmes comme par exemple Patty pour le thème sucrerie bonbon. Ça, tout le monde le savait. Miro fait bien dans le thème enfantin ou même dans le thème kawaii. Ici, petite liste des habitants mignons. On peut citer Suzy, Miro, Rosalie, Opal, Agnès, Marina, Capri, Lico, Rougepie, Christine, Abraham et Emma. Dans tous ces habitants que je vous ai cités, il n'y en a pas un pareil qui possède la même espèce, donc variez bien les espèces. Évitez de mettre tous les chats, tous les chiens. Bon, après, si le thème de votre île c'est ceci, faites-le. Essayez un maximum de varier les espèces des habitants et leur caractère, comme ça, votre île pourrait être plutôt riche. Vous allez débloquer plusieurs émotions plus rapidement, car vos habitants seront tous différents. La relation avec les habitants seront toutes différentes, car il n'y en aura pas un seul de pareil. Et choisissez bien les habitants en fonction de leurs caractéristiques et de leur thème dans lequel ils pourraient potentiellement rentrer. Gérard, mon habitant préféré, rentre dans le thème plus sportif, car tout simplement c'est un habitant sportif. Patty, elle, est vraiment dans le thème gâteau-sucrerie, donc dans ce thème-là. Ensuite, il y a les habitants un peu plus neutres, comme par exemple Cédric. Lui, il pourrait se fondre dans tous les thèmes, il n'y a aucun souci. Pensez aussi à votre petit drapeau, car quand les visiteurs arrivent sur votre île, le drapeau, c'est les premières choses qu'ils voient à l'aéroport. Donc n'oubliez surtout pas de choisir un bon drapeau qui représente bien votre île, le thème, ou même qui le définit parfaitement. Pensez aussi à l'hymne, je peux vous en citer quelques-uns à l'écran. Nous avons la musique Haribo pour le thème bonbon qui rentre parfaitement. Mais si par exemple votre île est plus dans le thème d'une série, donc Harry Potter, mettez bien la petite musique et le petit hymne d'Harry Potter. Chose très importante, ne jamais se décourager. C'est super important car il y a beaucoup de personnes qui trouvent leur île avec de grosses guillemets. Laide, moche, etc. Plus vous dites ça, moins vous avancerez, plus vous allez procrastiner. Plus égale plus, comme on dit dans le jargon, pensez bien à vous motiver, à dire que votre île va être bien. La plupart du temps, ça m'arrive très souvent quand je détruis un coin pour en reconstruire un nouveau, quand je suis au plein milieu de la reconstruction d'un nouveau coin, je pense vraiment qu'il va être catastrophique. Puis ensuite, au fil des heures et des minutes du jeu, plus j'avance le coin, plus je le trouve beau. Donc n'abandonnez surtout pas en plein milieu, car tout simplement, c'est logique que votre coin ne soit pas joli quand vous êtes en plein milieu, car il n'est pas du tout fini. Donc attendez la fin pour pouvoir en juger par vous-même. Demandez aussi des conseils à vos amis. Ils peuvent parfois vous guider, vous aiguiller, et ça peut grandement vous aider. Pour les petits détails de votre île, pour que tout cela rentre dans le thème, vous pouvez peut-être créer une carte à l'effigie de votre thème d'île. Par exemple, ici, vous avez à l'écran une carte avec le thème du chat, car il est bien mis en valeur, tous les habitants sont des chats. Donc là, on est parfaitement dans le thème. N'oubliez pas qu'avec Remodil, vous pouvez remodeler à votre façon et à votre manière et vos idées toute votre île. Vous pouvez créer des petites formes sur votre carte. Vous pouvez créer des petits coins en superficie en rapport avec le thème. N'oubliez pas aussi, dans la catégorie des micro détails, n'oubliez pas d'offrir des petits habits à vos habitants qui rentrent dans le thème. Comme ça, même eux seront dans le thème du thème du thème. Disposez bien de façon que tout cela rende quelque chose de plutôt harmonieux, plutôt égayé.
et tout simplement passons la catégorie des 5 étoiles de votre île pour bien les garder, car c'est très compliqué pour moi et pour vous, je pense. Tout simplement, vous avez le petit tuto à l'écran, car je le répète tout le temps, tout le temps. Il faut juste que votre île soit extrêmement propre. Moi, c'est mon énorme problème, avoir une île propre. J'ai trouvé d'où venait le problème, c'est qu'en fait, au lendemain, plus les jours avancent, plus des petits bouts de bois tombant de vos arbres vont s'accumuler sans avoir secoué une seule fois votre arbre. Donc faites bien le tour de vos arbres, des mauvaises herbes, déterrez bien les fossiles, parlez bien à vos habitants. Et normalement, si vous faites cela quotidiennement, votre île va être bien conservée et vous allez garder vos 5 étoiles. C'est super compliqué de les garder sans les perdre, car moi ça m'arrivait bon nombre de fois de retomber à 4 étoiles, car tout simplement Marie estimait que mon île avait trop d'objets qui traînaient par terre. Donc j'avais beau ramasser tous les petits meubles que je faisais traîner sans vraiment les disposer, mais je me retrouvais toujours avec ce problème alors que mon île était soi-disant propre. Donc j'ai décidé de faire le tour de mes petits arbres et en fait je me suis aperçue qu'il y avait plein de petits bouts de bois qui s'accumulaient sans raison. Donc je les ai enlevés. Ça peut vraiment se jouer à 5 petits bouts de bois qui traînent par terre et là tout de suite vous perdez une étoile de réputation. Donc pensez bien à tout enlever. Pour trouver aussi des petits habitants dans le thème de votre île, vous pouvez utiliser le principe des îles mystères. Quand votre île ne contient plus que 9 habitants, vous pouvez vous rendre sur une petite île mystère. En quoi ça consiste? Avoir des petits tickets Nook Miles. Très simple, rendez-vous à la borne Nook Stop, puis acheter pour 2000 Nook Miles un ticket, puis rendez-vous sur l'île grâce à Maurice en lui parlant. Vous allez avoir un petit habitant qui va apparaître aléatoirement. Ne vous fixez pas des limites à cause d'un simple petit thème. Ce n'est pas parce qu'un coin ne rentre pas dans l'ambiance et l'atmosphère de votre île que forcément, il ne doit pas y être. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Sur ce, rendez-vous dimanche 17h pour une prochaine vidéo. Je te fais d'énormes bisous, je te dis ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous!